Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Clara Luciani, on l'a reconnue avec sa très belle voix. Elle sera à l'affiche du Montreux Jazz Festival et on vient d'écouter un extrait de Nu, contrairement à ce que montre le clip où elle est habillée. Exactement. On en a souvent parlé ici à Mohamed de Clara Luciani, elle qui confirme encore avec ce superbe clip et ce beau morceau tout le bien que l'on pense d'elle. Et vous l'avez dit, Clara Luciani, eh bien, elle sera à l'affiche du Montreux Jazz Festival. C'est pour ça que je voulais faire ce clin d'œil à ce clip. Événement incontournable de l'été, bien entendu, ce Montreux Jazz Festival. Et les affiches et la programmation ont été dévoilées ce matin. Une prog alléchante, Elton John, John Baez, Sting, Eddie De Preto, The Chemical Brothers. On peut également citer Tom York de Radiohead, Janet Jackson ou encore les barbus de ZZ Top. Pas mal hein, pour cette édition 2019, Montreux Jazz Festival. C'est du 28 juin au 13 juillet prochain et on suivra ça, bien entendu, sur l'antenne de TV5 Monde. On y sera comme chaque année, Nicolas, bien sûr. Après la Suisse, on prend la direction du Liban à présent. Absolument, pour un coup de projecteur ce soir sur la photographe libanaise Myriam Boulos. Elle a 26 ans et elle présente sa seconde expo en solo à l'Institut français de Beyrouth. Ça s'appelle Dead End et c'est jusqu'au 26 avril. Elle tente de répondre à cette question, comment faire évoluer la société en résistant. Wissam Sharaf l'a rencontré justement à Beyrouth. Trouver sa place dans le labyrinthe social que constitue Beyrouth pour sortir de son impasse, de ses questionnements. Telle est la mission que s'est donnée Myriam Boulos. Dans Dead End, des instantanés éclairés au flash exposent les sujets au moment où ils sont le plus à même de se livrer pendant la nuit. Pour moi, c'est la nuit que tout se dévoile à Beyrouth, comme si on lançait un colorant et que les choses apparaissaient. En déstabilisant le spectateur, la photographe tente de montrer ses barrières invisibles, ces choses dont on parle peu en société. Ainsi, elle fait se côtoyer en images des mondes qui, en réalité, se côtoient rarement. Il y a un malaise hyper fort dans la ville et dans le corps, duquel plein de personnes ne sont pas conscients, parce qu'on est dans une société qui nous pousse, qui nous dit d'aimer notre corps, alors qu'elle nous pousse constamment à le haïr. Et que toute une génération pense que ça vient de nous, alors que ça vient clairement en très grande partie de la société patriarcale et capitaliste. Pour moi, il y a quelque chose de tendre qui se dégage de cette photo. Et le fait qu'il y ait encore des petits éléments de consumérisme, par exemple les chaussures, même les sous-vêtements qui sont assez enfantins, ça parle assez de la place de la femme et de l'image de la femme dans la ville. Et le fait qu'elle soit à côté de ce militaire fait qu'il y a le regard de l'homme. Et en même temps, il y a quelque chose de très tendre. Dans Dead End, ce sont surtout des histoires d'amour. Le corps qui désire affronte la société sous son regard plus ou moins sévère. On s'épie, on se jauge, on se surveille en permanence. Myriam Boulos, elle, prend conscience de cette impasse et résiste à sa manière. Voilà, donc expo à retrouver à l'Institut français de Beyrouth au Liban. Et puis sachez que si vous voulez retrouver le travail que l'on vient de voir, eh bien, il y a l'expo C'est Beyrouth à l'Institut des cultures de l'islam avec effectivement le travail de Myriam Boulos lors de cette expo à Paris également.